Alors bonjour tout le monde. Salam alaikum, azoum. Donc je remercie tous les collègues qui ont répondu présent à notre invitation pour cette quatrième conférence internationale sur la vision artificielle. Et nous remercions aussi tous les communicants qui ont envoyé leur papier dans des conditions vraiment très difficiles. Nous avons retenu de toute façon. C'est la quatrième conférence que nous organisons, après l'avoir déjà organisée en 2000, 2007 et 2015. Mais cette quatrième conférence est bien un peu particulière parce qu'elle se déroule justement dans des conditions sanitaires qui ne nous a pas permis donc de la tenir en présentiel. Cet aspect nous a un petit peu gêné sur le plan communication, parce que nous n'avons pas reçu suffisamment de communication au début. Nous n'avons pas encore étudié la question en profondeur pourquoi, mais je pense que le confinement, la situation sanitaire a touché comme tout le monde, comme tout être humain, nous a touché un petit peu physiquement et peut-être même moralement. D'ailleurs, nous avons vu des conférences internationales de renommée mondiale reportées à chaque fois pour peut-être insuffisance de papier. Mais en ce qui nous concerne, nous pouvons nous estimer heureux parce que nous avons reçu 49 papiers qui proviennent de différentes universités algériennes. Et ces papiers-là, ils traitent de différentes questions liées donc au topic de la conférence. Vous avez donc des papiers qui traitent des images IRM, IRM de diffusion, cardiaque, des images satellitaires, des détections de présence humaine par vidéoconférence, des applications donc, dans le processus de forme dans le domaine biomédical. Alors, comme je vous disais, normalement, nous l'avons déjà mentionné dans notre appel, une conférence se déroule pratiquement en présentiel parce que c'est là où les communicants prennent contact, échangent des informations. Même dans notre appel, nous avons aussi dit que nous allons réunir les chercheurs avec le monde industriel, économique, qui travaille un peu dans le domaine de la conférence. Bon, je n'ai pas l'intention de tenir une plénière sur ce thème-là. Et en ce qui concerne justement les intervenants de l'Afrique de l'étranger, nous avons sollicité donc, des collègues, des professeurs algériens qui sont établis à l'étranger dans le comité de programme. Un comité de programme qui est composé uniquement de professeurs, dont certains sont de renommée mondiale. Et lorsque, par exemple, nous avons chaque papier, nous l'avons envoyé à deux reviewers différents. Lorsque deux avis sont partagés, nous envoyons la communication à un troisième reviewer pour les partager. Et nous avons sollicité un professeur, M. Nadden, professeur à l'Université du Québec du Canada, pour nous donner une plénière à distance. Il a répondu instantanément favorablement et nous remercions beaucoup. Donc, cette conférence-là, comme je vous le disais, elle traite de l'intelligence artificielle, plutôt de la vision artificielle qui fait partie de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui fait elle-même partie de ces avancées et de ces développements technologiques et scientifiques qui sont en train de bouleverser un petit peu la face du monde et même la société. Et actuellement, les avancées se font tellement rapidement, tellement vite, que pour les suivre et la rattraper, il faut vraiment aller aussi vite et s'équiper de moyens technologiques aussi avancés. Comme je vous disais, donc, je n'ai pas l'intention de tenir une conférence sur ce thème-là,
Mais nous avons donc reçu, je disais, 49 communications et 28 ont reçu des avis favorables des reviewers, souvent avec révision. Donc si nous faisons donc un total, donc 57% des communications ont été acceptées, le reste a été rejeté. Donc ce qui prouve un petit peu le sérieux de la conférence. D'ailleurs, même ceux qui communiquent nous ont dit que votre conférence est intéressante. Voilà, donc avant de terminer, je vais passer la parole à M. le doyen. Merci, Monsieur le Président. Je tiens... Bonjour tout le monde. Bonjour, chers collègues. Je tiens avant tout à remercier les organisateurs de la conférence. Ils ont beaucoup bataillé pour la faire aboutir. Je sais que ça fait 2 ou 3 ans que la conférence a été... l'idée de la conférence a été lancée. Ce n'est... on a parlé que la conférence ait lieu et je vous félicite pour la persévérance et je vous remercie surtout pour tout le travail que vous avez fait. Notre faculté a besoin de conférences comme celle-ci et nous encourageons les enseignants à proposer des conférences dans tous les domaines du génie électrique et de l'informatique. Personnellement, j'ai assisté à la première conférence sur la vision artificielle en 2000 et j'étais étudiant comme quelques étudiants qui sont ici. Ça fait quand même 22 ans. Et ça s'est tenu à Maroua et on a gardé de bons souvenirs de cette conférence en étant étudiant. Le fait de la renouveler à chaque fois est une très très bonne idée. C'est un moment où les étudiants, les enseignants, les chercheurs de notre faculté se retrouvent, des universités algériennes se retrouvent, et échangent sur les avancées sur la vision artificielle. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie, je vous rends la parole. Merci, M. le doyen. Nous allons passer la parole à M. le doyen. Je vais vous remercier, أسولف لهم أسلم نون مع بيسون لكل ضيوفنا على عبر الوطن مرحبا بكم في جامعتنا جامعة تيزي وزو جامعة مولود معمري à tous les participants à travers le territoire national et au-delà à l'étranger j'ai l'honneur aujourd'hui de représenter le recteur au nom duquel je vais déclarer ouvert les travaux de cette conférence internationale, la 4e qui se déroule au sein de notre université, sans oublier de remercier toutes et tous ceux qui ont fait des efforts intenses